vous allez voir que comment il y a l'atmosphère est calme. Et il y a l'amour, l'énergie de l'amour qui existe, et l'énergie de la fraternité qui existe, et la joie, la paix, parce que c'est ce genre d'énergie que moi j'inspire. Et donc, quand vous arrivez chez moi, c'est ce genre d'énergie que j'ai. Et mes tableaux aussi, quand vous les avez chez vous, c'est ce genre d'énergie qui vous accompagne dans vos maisons. Et donc, je transmets. Mais tout ce que vous voyez là, c'est une partie de moi qui se trouve ici. Et une partie de moi, ça veut dire que c'est des milliers de moi qui sont dans ces genres de tableaux. Parce que tout ce que je fais, c'est avec amour, passion, et puis tout ce qui accompagne l'univers. Et comme la nature a été toujours, comme je le dis, je répète toujours, et je me réfère toujours à la nature. Parce que la nature, c'est une chose qui n'a jamais, elle n'a jamais menti. Elle a été toujours constante. Et donc moi aussi, je suis toujours constant et dans mes faits et dans mes travaux aussi. Et donc du coup, quand je parle des énergies, je parle des énergies de la nature et qui nous accompagne, les énergies positives surtout. Il y a deux sortes d'énergies, les énergies négatives et les énergies positives. Le choix, vous. Moi, j'ai toujours choisi les énergies positives parce que c'est ce qui m'arrange. Et je les transmets maintenant dans mes... Et toutes mes œuvres sont des talismans. Et quand vous avez une œuvre chez vous, c'est que vous avez toutes les énergies positives de protection d'ailleurs, et de joie qui vous anime, et de toutes sortes que vous voulez. Et essayez de vous connecter à même pas avec. L'œuvre arrive chez vous, vous allez voir un changement dans l'environnement, même temps dans laquelle l'œuvre se trouve. Et donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de blancs essaient d'acheter mes œuvres parce que quand ils sont avec mes œuvres, ils sont dans la paix. Le Vuitton n'est pas au même prix qu'un produit chinois que vous allez vous acheter au marché. Mais, ou bien Christian Dior, ou bien la voiture Benz n'est pas au même prix que Toyota. Moi, je suis d'une catégorie très élevée parce que je me vois là. Et il y a plus de 50 ans que je suis un artiste. Et du coup, mes œuvres ont cette valeur-là et ce coût-là. Et donc, toute personne qui va acheter mes œuvres, et ce n'est pas tout le monde qui achète mes œuvres, et ce n'est pas tout le monde qui arrive à acheter une Benz. Et quand vous regardez les collections d'un grand collectionneur, et c'est pas tout le monde qui arrive à acheter Picasso. Au Togo ici, peut-être qu'on peut trouver une personne ou deux personnes qui vont acheter Picasso. Et donc du coup, c'est pas tout le monde qui va acheter Talé. Et quand tu achètes Talé chez toi, c'est que bon. Et quand quelqu'un voit une de mes œuvres chez toi, elle commence à comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un. Donc c'est pas tout le monde qui achète mes œuvres. Et donc, ou bien vous les achetez, ou bien, bon, c'est bien. Je peux avoir, vous pouvez admirer mes œuvres dans des lieux, dans des musées, si c'est possible qu'on ait des musées, et les admirer et ne pas les avoir chez vous. Mais si vous voulez les avoir aussi, et ça a un prix à acheter. Tout le monde, et on sait que je suis l'un des artistes aussi les plus chers, même les États-Unis. Donc, quand vous venez dans mon studio, le minimum que vous pouvez utiliser, c'est $1,500, et qui est
comment l'appelle-t-on là, les dimensions d'un ordinateur, d'un téléphone. Et donc, bon. Bon, peut-être 600 000 francs CFA. Et donc, si vous voulez, bon, d'accord. Mais bon, avoir une œuvre comme ça, bon, vous allez compter des millions ou bien des zéros. Et des millions de francs CFA ou bien des centaines d'euros ou bien des centaines de dollars. Je n'ai pas que ça les empêche, mais seulement aussi de pouvoir comprendre et que de pouvoir vous respecter vous-même et respecter vos œuvres. Et respecter ce que vous faites. Quand vous allez chez un médecin, le médecin, c'est un médecin. Il a fait sa carrière et il est médecin. Et dans les médecins, quand vous arrivez, vous avez les ordonnances et tout ce qui vous prescrit. Vous les payez. Et les avocats, ils ont été à l'école et c'est leur carrière. Ils vous prescrivent ce qu'ils ont et ils vous donnent les factures qu'ils ont pu à faire pour vous défendre. Et bon, chez eux, regardez, la maladie c'est bien, ils vous guérissent, et ça part. Or, et chez nous c'est différent, chez moi c'est différent. Et je suis déjà arrivé à un niveau où il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que je suis déjà là. Et généralement, quand un artiste arrive à un certain niveau, c'est difficile que le côté redescende, parce que ça monte. Et les richards, quand ils achètent les œuvres, ils cherchent toujours à ce que le coût de l'artiste monte. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc nous, on est là et on cherche les autres. Je ne peux pas parler d'eux, ça dépendra du travail qu'ils font et ça dépendra des efforts qu'ils font. Moi j'ai beaucoup travaillé. Et d'abord, comme tu me connais, et si je suis au Togo, je suis dans mon studio. Si je suis aux États-Unis, je suis dans mon studio. Si je suis au Libéria, je suis dans mon studio. Et rarement, tu me vois sans travailler. Et donc, je suis constamment dans le travail et dans les recherches et dans beaucoup de choses. Donc, du coup, et puis la popularité de l'artiste et ceux qui ont acheté. Et donc, le prix vient. De la visibilité de l'artiste dans le monde artistique et le niveau qu'il a atteint et même les éditions et puis les collectionneurs, ceux qui l'ont collectionné. Et donc, vous allez dire, mais vous, moi j'ai beaucoup de milliardaires qui ont eu la chance d'avoir mes œuvres et j'ai eu beaucoup de musées aussi qui ont collectionner mes œuvres et donc ça fait partie de tout ça là qui font ma grandeur en tant qu'artiste. Et j'ai beaucoup sillonné, hein, j'ai beaucoup travaillé un peu parce que il a fallu beaucoup de sacrifices. Et d'abord moi je passe sur le lin, ce n'est pas et les ulles, par exemple une ulle comme ça, et regardez ça. Une ulle comme ça, ça fait déjà 50 dollars. 50 dollars, ça fait déjà 25 000. Et ça, ça fait peut-être 15 ou 20, ça dépend. Il y a des tubes comme ça qui sont à 60 dollars. Et donc, ça fait déjà 40 000. Regarde. Donc, il te faut une toile comme ça, il te faut peut-être 40 ou bien 100 tubes de comme ça pour faire ça. Donc, vous voyez déjà le prix. Et moi je travaille sur le lin qui coûte aussi très cher, et tout ça là, et puis le temps, et puis le temps que d'abord que j'ai été en tant qu'artiste, et puis tout ce que j'ai sillonné comme exposition dans le monde entier. Il faut la qualité du travail. Il faut vraiment la qualité du travail. Parce que moi, d'abord, et quand
quand je dis le respect du travail, c'est que tu ne peux pas, par exemple, beaucoup d'artistes voulaient, excuse-moi le terme, parce qu'ils ne respectent pas leur travail. Et quand vous allez chez eux, peut-être l'œuvre part quelque part dehors, ou bien quelque part dans un coin, ou bien bon, un collectionneur qui arrive chez toi et qui voit que les œuvres ne sont même pas respectées. Même si tu le dis à un enfant, il ne va pas acheter. Mais quand il arrive chez toi, il voit que d'abord tu as un grand respect à ton travail et bon, il sait que tu ne négocies même pas. Et tu ne négocies pas, il n'y a pas de négociation. Il connaît déjà ton code. Quand il arrive, il vient. Et par exemple, quelqu'un qui rentre dans mon studio, d'abord, il y a 20 peut-être de 100 $. Et quand on ouvre à boire, ou bien 200 $, ou bien une bouteille de champagne, qui boit? D'abord, il sait que bon, une bouteille de champagne à 200 $ ou à 300 $, bon, il sait que bon, tu vas lui parler d'un prix, tu comprends déjà. Et donc, quand quelqu'un vient chez toi, ça me fait aussi de l'accueil, l'environnement dans lequel elle est, et puis toi-même, ton charisme, et puis et ta façon de l'accueillir chez toi. Et comme je parle des énergies, il faut qu'il se sente à l'aise avec toi. Et quand il arrive, il sent que bon, et ça ne coûte pas de sortir 100 000 € pour te donner, tu vois. Et ça ne coûte même pas 100 000 € de 200 000 €, 300 000 € sans coûte rien, s'il est milliardaire. Parce que déjà, il a déjà un attachement avec toi. Et la façon dont tu les reçois, et puis d'abord, et beaucoup de collectionneurs aiment ça. Ils aiment visiter les artistes dans les ateliers. Ils aiment être amis avec les ateliers pour qu'ils puissent parler de l'œuvre quand il a des amis avec lui.